Mes amis, bonsoir. Jeudi, c'est mardi 10 janvier 2023. J'aime toujours dire non. Pas de monde qui a la connaissance absolue, pas de monde qui a la connaissance infuse. C'est-à-dire, si on fait erreur, ou bien s'il y a des rectifications, il faut qu'on ait courage pour dire, mes amis, ça m'a dit préalablement, qu'on tire la donne, mais nouvelle information qui sorti et qui vrai. Ça me veut dire par là, si nous songez bien, 347 614 16 78, t'es gagné une note qui t'est fait sortir côté que ça t'est dit concernant arrêté présidentiel Joe Biden sorti 5 janvier 2023, pas forcément vrai dans toute intégralité. Cependant, 347 614 16 78 prend du temps, non seulement pour faire recherche, et puis pour contacter plusieurs cabinets d'avocats, également contacter autorité immigration américaine pour qu'elle joigne dernière information qui vraie et livrée partager l'ensemble avec nous. Mes amis, mes dernières informations qui vraies, pas oublier, je t'ai dit que c'était vrai déjà, alors que se trouvait-il bien que l'information n'est pas vraie, et m'accepter ça, parce que au commencement, données étaient très floues. En anglais, ils disent, bah, ils étaient très floues, il y a trop d'informations dans la rue. Donc, après recherche, après que je finis contacter source là, qui c'est immigration américaine, mais information 347 614 16 78 cadeau qui vrai concernant arrêté présidentiel Joe Biden sorti 5 janvier 2023. D'abord, yon moun ka vive États-Unis qui voulait sponsoriser, c'est-à-dire qui voulait aider yon confrère ou bien yon ami ou bien yon moun nan famille li vle aide moun sa vin États-Unis. Première étape li gen pou le faire, li gen pou le rempli forme 134A. Tendez bien, forme 134A côté moun nan jwenn li sou site immigration américaine. Combien kòb la besoin pou rempli forme 134A? Forme nan gratuit. En bon créole, forme nan gratis. Si ou pa ka rempli forme nan, li toujours bon pour contacter yon moun nan domaine immigration pour aider ou bien pour accompagner ou nan étape nan rempli et processus la. Cependant, ou pa forcément besoin yon moun pour aider ou fèl parce que tout bagay yo censé très précis ou pa forcément obligé besoin moun pour aider rempli processus là. Première étape là, moun ki États-Unis hein, ou gen pour rempli forme 134A. Qui sa forme 134 là? Forme 134A qui ça dit, c'est une forme côté que ou pral présenter situation financière ou, c'est-à-dire ou pral soumettre revenu annuel ou quantité qu'on vous fait, etc. De là étant, immigration pour aller, est-ce que vous qualifiez pour supporter un monde financièrement, ou disons mieux, est-ce qu'on est en mesure pour accepter un monde pour vivre la carrière, pour supporter mon monde pendant 2 ans? Qu'on y a une fois, effectivement, pendant qu'on apprend plus fort, non, il va demander une information sur mon nouvelle subventionnaire, il va demander nom, et sexe, adresse, email, mon nom, etc. Bien effectivement, si vous voulez subventionner au monde, il faut qu'il y ait des informations sur mon nom. C'est ça que fait ou même qui est en Haïti, ou bien ou même l'autre haïtien, quel que soit côté, il faut qu'on en mesure pour bailler maximum d'informations possibles sur vous et de façon pour moun ki États-Unis hein, pendant la rempli forme 134A pour qu'il y ait toute information que le besoin sur.
Alors, première étape là, je vais vous répéter ça, les gens qui sont aux États-Unis qui veulent sponsoriser, là, ils ont pour remplir forme 134A. Immigration prend du temps, ils vont dire mon États-Unis, oui, ou éligible, ou encore ou qualifié pour subventionner un lot haïtien. Une fois que l'immigration vous dit mon, ça peut arriver, l'immigration dit mon également non ou pas éligible ou encore pas qualifié pour subventionner un lot monde en Haïti. Ça va dépendre de situation ou encore circonstances financières monde qui est États-Unis. Ça va dépendre de est-ce que mon en mesure ou pas. Si mon n'est pas en mesure pour faire ça, l'immigration vous dit malheureusement pas qualifié, donc c'est fini. On dit qu'on y a moun nan mesure pour le subventionner ou encore pour le cas aider ou pour l'héberger, etc. Laisse l'immigration vous dit oui ou qualifié. Et puis, ou même qui est Haïti, ou bien ou même qui Chili, ou bien ou même qui peut bénéficier de, qui peut bénéficier de disons, de processus ça, ou même bon côté par. Le SA, immigration a écrit sous email ou la mando pour créer un compte. Mes amis, attendez bien. Pendant à créer compte ça, songez bien, c'est vous-même qui avez accès à email ou c'est pas moun États-Unis. Donc, faut qu'on assure que non seulement on entre en mot de passe qu'on a songé parce qu'on pas capable les mon États-Unis à vivre devant vous dire m'lier mot de passe moi appareil pour qu'on écrit non au contraire c'est vous-même haïtien ça qui va bénéficier du processus là c'est vous-même qui connaît qui les immigration écrit c'est vous-même qui a bien accès avec compte ça parce que c'est email ou et c'est vous-même qui t'es créé compte là très important qu'on y a là à partir de compte ça immigration Abdou tout l'autre bagaille qu'on gagne pour faire exemple immigration a mandé ou faut ou prend vaccin Covid là si ou pas de comprendre si ou pas de comprendre vaccin Covid là ou a arrangé ou pour aller prendre vaccin Covid là vaccin corona comme ça tout si ou tu prends vaccin déjà ça peut arriver gagnant instance aux États-Unis créé les FDA. FDA doit dire oui ou tu prends vaccin déjà, cependant vaccin tu prends pas approuvé pour États-Unis, c'est-à-dire vaccin n'est pas accepté. Dans ce cas, FDA a dit que l'entrée aux États-Unis a 90 jours pour aller prendre vaccin Corona. Alors, toute correspondance là a passé entre ou même qui en Haïti, ou encore ou même qui peut bénéficier de processus là, toute correspondance entre immigration a passé entre ou même avec immigration, c'est-à-dire toute correspondance yo, y a entre ou même qui est Haïti, ou bien ou même qui peut bénéficier de l'avantage là, et toute correspondance yo, c'est entre ou même à immigration. Bien effectivement, l'offre répond à tous les critères, immigration a besoin une confirmation et puis un document d'autorisation de voyage baou qui côté la voile c'est sous email et pas bas mon États-Unis en la voile mais au contraire c'est sous email. Attendez bien. Document ou encore autorisation de voyage ça immigration a voyé baou sous email. Attendez bien oui, c'est lui-même qui prend bonne possibilité pour venir passer interview États-Unis. Attendez bien, ce n'est pas l'ambassade américaine qui va le bon visa, mais au contraire, c'est sous email personnel où l'immigration vient pour vous voir une confirmation bah ou avec une autorisation de voyage. Autorisation de voyage, ça, il y a mandat pour venir soit Arizona, ou bien Texas, ou bien Californie. Qui côté Arizona, son côté que les Nogales. Qui côté Texas, yon côté que les Bronxville, ou bien Eagle Pass, ou bien El Paso. Qui côté Californie, yon côté que les Calexico, ou bien San Isidro. Ok? Bon, je vais répéter ça. Non,
document d'autorisation voyage que immigration gagne pour voyer sur email ou an, nan document ça la pe écrit monsieur Intel, madame Intel ou gen interview pour entrer États-Unis. Document abdou, soit gen interview Arizona ou bien gen interview Texas ou bien gen interview Californie. Si c'est Arizona, la voye d'où ou gen interview, yon kote krele Nogales. Si c'est Texas, la d'où soit gen interview yon kote krele Bronxville, ou bien gen interview yon kote krele Eagle Pass, ou bien gen interview yon kote krele El Paso. Kon sa tout si c'est Californie, document d'où ou gen interview soit yon kote krele, excusez-moi, si c'est Californie, document Abdou, soit qu'on gagne interview côté que le Calexico ou bien l'Abdou gagne interview San Isidro. C'est-à-dire, document de voyage ça, l'a spécifié clairement qui côté ou gagne interview a. Ou même bon côté pas, une fois qu'on gagne interview, ou a arrangé ou pour payer billet d'avion. Malheureusement, jusqu'ici, pas de vol direct de Port-au-Prince à Texas, pas de vol direct de Port-au-Prince à Arizona, pas de vol direct de Port-au-Prince à Californie. Ça, c'est mon opinion. Vous m'avez quoi que, ou a toujours acheté billet pour aller Californie si c'est là où il y a interview, ou bien pour aller Arizona si c'est là où il y a interview, ou bien pour aller Texas si c'est là où il y a interview. Effectivement, ou a fait transit. Ça dépend de ligne aérienne. Non, on dit que vous allez faire transit Miami. Ça, c'est moi-même. Vous m'avez quoi que l'immigration a fait des arrangements. Une fois qu'on arrive à Miami, l'immigration, soit la fin checker, la forêt non coin en attendant de prendre l'autre vol qui parle coto qui interview, ou bien tout, puis devant, ça peut arriver que y a des vols. Ça dépend du volume qui est interviewé. Ça peut arriver, puis devant, des vols directs entre Port-au-Prince à Texas, ou bien Port-au-Prince à Arizona, ou bien Port-au-Prince à Californie. Ça, c'est puis devant. Beaucoup connaissent comment ils ont géré ça. Cependant, je dis que le document de voyage là, on dit que les deux interview Texas, le ça ou même, ou après acheter billet d'avion pour aller Texas. Qui c'est un État, États-Unis. Quand y a l'arrivée Texas, ou pral passer interview, ou encore, ou pral passer un entretien avec un officier CBP, CBP, comme si on dit garde frontière, ou pral passer un interview ensemble avec eux. Ça dépend de discrétion officier, il doit accepter ou bien il doit pas accepter. S'il accepte, le ça ou ka vin États-Unis y a bon yon lot autorisation pendant qu'on vin kay moun sa ki te sponsorize ou la ou même de la étant ou pral appliquer pour quatre travail ou avec social ou y a bon yon document kap autorisé pour appliquer pour quatre travail ou effectivement y a voué quatre travail là-bas ou et de là étant ou ka travail légalement. Ou ap gen social, ou social la sa nou le numéro NIF ou bien numéro SINU. Ou ap gen social, ou ap gen kap travay ou, et puis ou même ou ap ka vake nan aktivite personel ou ap ka al travay ou ap pendant yon interval de 2 ans. Sa k'pral pase apre 2 ans, jusqu'ici, ce n'est pas clair. Sa peut arrive apre 2 ans, yon renouvle statu yon, kon sa tou, ou même yon Etats-Unis. Pendant 2 ans, ça, si vous venez de nos citoyens américains ou marié avec ou changer statut, ça c'est autre chose. Alors, yon récapitulation. Première étape là, moun ki États-Unis a gen pou le rempli forme 134A. C'est gratuit de son côté. Pour le rempli forme là, c'est gratuit. Effectivement, l'elle fin rempli forme là, il a dit monsieur madame ou éligible et de là étant ou même qui peut bénéficier du programme là, immigration a bon correspondance ba ou pas commencer nous faire ceci, faire cela, prend vaccin, faire ceci,
Lò fin repon a tout kriter sa immigration de ou gen pou fè a, ou menm kan Haiti, yo gen pou voye autorisation de voyage ba ou, kote ou gen pou gen interview, soit Arizona ou bien soit Texas ou bien soit Californie, de la etan ou menm ou pral kote sa, ou ap passe interview a, et puis ou ap entre Etats-Unis. Mes amis, mille excuses pour message la langue, 347-614-1678, ou cap partager by n'importe qui l'autre monde dans la rue et deux façons pour nous pas prendre envoyer monter pour nous pas dépenser l'argent mal en bas monde qui dit nous que cabinet d'avocat en bas monde qui dou l'a faut payer tant cob etc. Voulez pour nous comprendre que processus là très direct en soi. Merci bien 347 614 1678. Merci.